l'impression. C'est vraiment stylé hein. Bon, c'est parti. Donc là déjà, j'arrive sur l'essieu. Là je vais accélérer légèrement. On va regarder si ça patine. Malheureusement, il n'y a pas de dire, c'est un zéro grip. Zéro grip. Il va y avoir un effet patinage. D'un coup, ça va s'arrêter pour envoyer la moitié devant. Ouais, c'est parti. Et ben, ça va le poser. C'est ouf, c'est impressionnant. Stop, 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 stop. Pas mal. Toi, c'est impressionnant, mais on est l'habitude, ça. Si vous avez déjà pris l'avion ou ouais, des accélérations un peu généreuses, on connaît un peu cette sensation. En revanche, la sensation qu'on va découvrir là dans la descente, celle-là, elle est plus. Là, c'est chaud, hein. Ah ouais. Là, vous pouvez vous mettre debout. Hein. Ouais, c'est... Ah ouais. Facile, hein. Donc là, j'ai un système qui me permet de réguler la vitesse en descente. Là, je vais tout lâcher. Okay. Je vais lâcher le frein, d'un seul coup. Attention. Vous êtes prêts? Ouais. Mais il se passe rien. C'est impressionnant. Ça me régule automatiquement la vitesse en descente par le biais des pinces de frein qui m'accompagnent dans la descente, sans risque de bloquer les roues. Ça, c'est ouf, ça. Et là, l'autre difficulté, je vous dis, là, c'est la plaque de verglas qui est à l'arrivée, en revanche. C'est parti? On va se configurer son petit mode. C'est là, setup. Sport plus. Ça, sport plus. Vas-y, sport plus. Sport. 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 Et. Wow, avion, c'est 104 WD, c'est bien. Moi, ça. Mais bon. Elle est génialement rodée, là, la voiture. Pour plus de puissance. C'est quand même pas mal, hein, putain. Ouais, c'est bien, hein. Ça. Et généralement, quand je parle pas, c'est que j'aime bien. Pouvoir mettre pied au plancher. Putain, ça c'est vraiment. Putain, ça pollue. Oh le putain. Accident. Ouais, je vais pas freiner si fort que ça. Hein. On vous attend juste après. C'est nerveux. En fait, t'as un coup à 4000 où t'as tout qui se.